Bien, bonjour. Alors, on va remplacer aujourd'hui une rotule. En l'occurrence, c'est une Seat, une rotule de direction. Voilà, j'ai donc enlevé la roue. Le cric d'origine sert uniquement à changer les roues. Donc, il faut prendre une sécurité. Hein. Moi, perso, je mets un petit cric hydraulique. Voilà, on continue. Bien, alors, on va essayer de vous montrer le jeu. Regardez bien ici. C'est assez flagrant. Voilà, on va démonter ça. Il y a des mesures à prendre. Parce qu'en fait, cette rotule-là, elle est au bout de la crémaillère, pardon, de direction. Et ce padduit, ce que vous voyez là, c'est ce qui sert à régler ce qu'on appelle le parallélisme. Donc, on va prendre les mesures. Alors, perso, je prends le milieu ici de la tête de la rotule et je prends une mesure jusqu'à la fin du padduis ici. Il faut être assez précis. Hein. De toute façon, vous avez droit, quand vous faites ça, à aller chez un spécialiste pour faire un parallélisme. On continue. Je vais donc débloquer cette vis-là avant toute chose. On va ensuite démonter cet écrou-là pour pouvoir enlever la rotule. Alors donc, avec mon pied à coulisse, je vais prendre la mesure la plus précise possible. Moi, je peux envoyer le dernier pas de vis de la vis là-bas. Et je me mets ici, au centre de la rotule. Voilà, là, je suis à peu près bon. J'ai 128,77. Voilà. Maintenant, on peut remplacer la rotule. On y va. Donc voilà, on démonte donc l'écrou qui est à la base de la rotule. Voilà la bête. Bon voilà, donc on démonte la rotule. Alors avec mon outil magique, il veut bien fonctionner. Donc on le met un peu en pression. Ça se trouve, elle serait venue toute seule. Alors, on va faire avec l'autre outil magique, qui est un marteau. Voilà, une rotule démontée. Alors, en plus de la mesure, l'idéal, c'est de compter les tours. Alors, on a ici, ça veut dire 13. Alors, avec deux clés, on débloque la rotule. Et en plus de notre mesure, on va compter le nombre de tours. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 tours. Voilà, vous regarderez. Elle est vraiment morte. Voilà, maintenant on va remettre la bien. Note. Alors, j'ai donc compté 18 tours. Donc voilà, je remets 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Voilà, là je constate que j'ai un petit écart. Donc il va falloir vraiment prendre la mesure, parce que la rotule ne doit pas faire exactement la même taille que l'autre. Donc je vais reprendre la mesure précise pour retomber à peu près bien.
Mais il faut quand même, faudra quand même pas oublier qu'on est obligé de passer au contrôle de train avant par la suite. Là, je peux très bien remettre ma rotule en bas avec mon écrou neuf. Voilà, on va procéder. Bien, alors, j'ai donc réglé mon pied à coulisse. Je me reprends là-bas dans ma dernière rainure du pas de vis. Et ici, je me mets au centre de mon... Eh ben, je suis pile poil. Donc voilà. Donc j'ai pile la bonne mesure. Il me reste à bloquer cette vis-là. En essayant que la tige ne tourne pas. Voilà. Il me restera donc à prendre un rendez-vous pour faire régler mon parallélisme. Et voilà. Montre en main, ça fait une petite demi-heure à remplacer ça. Voilà, à bientôt.